Et salut à tous After, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un petit Hunger Game que j'avais envie de faire avec vous. Voilà, une petite vidéo du dimanche, dimanche midi, une petite vidéo pour vous que voilà, je voulais vous réaliser. Je fais pas mal d'Hunger Game, de PvP Swap en ce moment, du HC aussi. Donc voilà, on est sur Epicube et voilà, je voulais vous enregistrer une petite vidéo pour vous faire un plaisir, voilà. Et pour vous faire, je dis beaucoup de fois voilà, en fait, je me rends compte, mais pour m'amuser, tout simplement. Là, j'ai une bonne pioche. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Il est où l'autre petit zigoto? On va faire quelques kills, j'espère, du moins pouvoir en faire, puisque je fais quand même pas mal, enfin, d'Hunger Game généralement. Et puis, je me dis que ce serait bête de pas vous en filmer en fait. Donc, voilà, j'avais envie de vous en faire. Hop, viens ici, mon pote. Oh, je vais te tuer. Il sait pas se défendre en fait. Au pire, tu peux peut-être essayer de te défendre. C'est toujours sympa. Donc un petit kill. Voilà, il y a des petits lags. Alors en fait, c'est pour ça que vous voyez peut-être que des fois je fais échappe. C'est parce qu'il y a des petits lags en fait. Donc voilà, c'est comme ça. J'ai pas le choix. Viens ici, mon pote. Ok, bon bah moi je prends le coffre. Hein. Hop, si tu prends pas les coffres. Moi je les prends. Voilà. En plus, il y a des bonnes petites choses. J'ai pas le temps de mettre un pantalon. Allez, viens. Ah, il a pris une pomme. Voilà, je l'ai tué. C'était assez simple. Alors, il y en a un à... What? Un mètre? Lol. Il y en a un à combien de mètres? Ok, donc là, on va acheter ça. Il me faudrait une petite... rien du tout. Ah ouais, il me faudrait un fer. Je vais reprendre ça au cas où. Mais en fait, ça reste bloqué sur I love 100. On est déjà donc à 2 kills, bon, ça c'est simple, pas trop compliqué. Je vais pas aller dans cette zone là parce qu'il y a les araignées, donc ça le fait pas. Il y a vraiment quelqu'un en fait. Ah merde, et il est PFR. C'est assez chaud parce qu'il est beaucoup mieux stuff que moi en fait. Donc on va peut-être pas aller l'embêter. Là-bas il y a du people, donc on va, ici il y a même des coffres. Toujours sympa. Aïe. Je sens les araignées arriver. Je les sens arriver, les araignées. Voilà. J'avais plus de nourriture. Je vais pas me faire tuer par des araignées quand même. Aïe. Elles font mal ces araignées. On va partir de la zone. Voilà, on est dans la zone 11. On est pépère là. Normalement, il devrait pas y avoir d'araignées. Hop, on a de quoi ce stuff. Je vais déjà tirer ça. Ça, on vire. Ça, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Je vais prendre ça. Et il faudrait un fer en plus, sérieux, pour avoir une autre fer. Ah bah écoutez, on va prendre un petit peu de coffre parce que sinon j'aurais pu faire un peu plus de kills. Je sais pas si ça va être une bonne partie ou pas. Si c'en est une mauvaise, je vous la mettrai pas, mais. Voilà, on a un fer en plus, on a des choses, on a deux fers en plus. Ça, j'ai pas besoin. Hop, voilà. Voilà, ça, j'ai pas besoin. Et ça, j'ai pas besoin. Ça non plus. Alors, ça c'est toujours intéressant. Je prends pas le reste. Ah, ben voilà, il y a du monde. Alors j'espère que c'est pas une team, mais on va essayer d'aller s'interposer dans le combat. Et lui par contre il a un bon stuff apparemment, donc on va essayer de le tuer. Et il sait pas se battre, ok, j'ai de la chance, franchement là j'ai eu de la chance. Parce qu'il savait vraiment pas se battre. Et il a pas d'épée en fer, donc voilà, déjà un kill en plus. Ah, ça me fait chier ça par contre, j'ai pas de quoi... j'ai pas une... What? Mais comment ça se fait qu'elle veut plus force field? Mais rien du tout, tu peux regarder sur ma vidéo. Je n'utilise absolument pas de logiciel comme ça. Hop, j'ai vu une petite tête là, sympa. Hop. J'arrive pas à utiliser ma boussole là, actuellement, c'est assez spécial. Ils sont où les gens? Ils sont où les gens? Il y avait du people ou pas près de nous? Je demande. Est-ce qu'il y a du people près de nous? Par là apparemment il y en a.
Peut-être qu'on va aller au milieu, voir un petit peu qui y a. Allez, on va voir au milieu. Peut-être s'il y a personne, se faire une petite épée en fer, ça peut toujours être intéressant. On a fait que 3 kills, donc c'est pas énorme. Et j'ai l'impression que il y a une team. Je peux pas voir à combien de blocs sont les autres joueurs. Ah voilà, là il y a un mec. Ok, viens ici toi. Mince. Je peux viser, c'est pas possible. Allez! Allez, salut mon pote. Oh non, mais toi je vais te finir en fait. Allez, viens, viens. Voilà. Quatrième kill, en plus j'ai tué quelqu'un d'assez important parce que le gars apparemment il avait déjà fait 4 kills. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, il n'y a personne au milieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Ouais, il n'y a personne qui arrive. On va se faire notre petit épée assez rapidement. Hop, c'est parti. Let's go, on a une épée fer, toujours intéressant d'en avoir une. On a une pomme d'or en plus, c'est sympa. Et on a... il n'y a personne d'autre. Ok, on va pouvoir s'enchanter rapidement. C'est pas ça que je veux faire, mais ça. Knockback, c'est nul. Hop, je veux... Donc sharpness 1. Voilà. Nickel. Parfait. Et en plus, j'ai pas mal de bouteilles d'XP, donc on peut même se faire une sharpness 2. Salut toi. Je sais pas comment il m'a mis un coup en premier. Et j'avais déjà plus beaucoup de vie, mais bon. Et ici, mon pote. En fait, le gars, il est un peu bête. Il aurait pu me finir s'il me suivait, je pense. Il est où, le gars? Allez, viens. Et voilà, un de plus. Ça c'est fait, et toi viens ici. Même si j'ai plus beaucoup de vie, c'est pas grave. Tiens, on va déjà lui faire un petit peu mal. En plus, avec notre. Merci. En plus, avec notre petit knockback, ça fait. Pas knockback, mais. Sharpness, ça fait mal. Voilà, elle est morte, et c'est une petite victoire avec 6 kills. Plutôt sympatoche, plutôt sympatoche. Donc voilà, petite victoire au calme. Franchement, pas très très dur. Donc voilà, c'était la petite vidéo du dimanche que j'avais envie de vous faire parce que j'ai pas eu le temps de faire de live ce week-end. Et puis vu que je fais pas mal de parties PVP, j'aurais voulu faire un live ce samedi, mais enfin hier du coup. Mais du coup, j'ai été au concert de Kyo, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez. Et du coup, bah j'ai pas vraiment eu le temps. Et tiens, il y a un Mr. B-Boy sauvage qui apparaît. Donc voilà. Bah, je vous remercie du coup d'avoir suivi cette petite vidéo. Si vous avez bien aimé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Je vous referai quelques vidéos comme ça du dimanche. Ça peut être sympa, hein, le mini-games du dimanche. Ouais, allez, ça peut être cool. Du coup, bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez peut-être... Enfin, vous, je vous invite à laisser donc un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire ce que vous pensez des petites vidéos comme ça du dimanche, du petit PVP. Alors attendez, je vais vous montrer vite fait mes statistiques. J'ai commencé à vraiment gérer les Hunger Games. Enfin, vraiment les gérer il n'y a pas très longtemps. J'étais à 2 victoires, maintenant je suis à 20 victoires. Et j'ai tué pas mal de... choses et j'ai gagné pas mal de coins. Du coup, on va dire que pour l'instant, je suis en pleine progression sur le PVP Hunger Game. Bon, il n'y avait pas du gros niveau non plus en face. C'est pas comme s'il y avait du Binatix ou du, je sais pas, du Xamptom. Il est vraiment pas mal aussi. Il est fort aussi, mais je l'ai déjà battu plusieurs fois. Mais il est vraiment très fort. Et Binatix aussi, il est vraiment très fort. Qui d'autre? Bon, je vois pas d'autres personnes en tête qui pourraient être beaucoup vraiment, enfin qu'on remarquerait vraiment très fortes que je joue souvent avec. Enfin, Binatic, je joue pas souvent avec, mais du peu que j'ai joué avec, il était quand même pas mal fort. Et donc voilà, petite vidéo du dimanche, pardon. J'ai pas eu le temps de vous faire d'un live, donc je vous en fais une et j'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous du coup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Salut!